des Africaines pour que ces résultats des élections soient reconnus. C'est ce qui a été fait. Et pour sa première prestation de serment, Adama Barrow a prêté serment dans l'ambassade de la Gambie au Sénégal. Le voilà donc qui arrive au Palais de la Nation, ce véhicule avec le drapeau flottant de la République de Gambie. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est donc présent pour accueillir son homologue gambien qui arrive en République démocratique du Congo pour la première fois. Disons que c'est une première visite d'un chef d'État gambien en République démocratique du Congo. Il est là, Adama Barrow, qui salue donc son frère, Félix Antoine Tshisekedi, qui lui a réservé un accueil chaleureux. Le pays de Félix Tshisekedi est un pays hospitalier et chaque hôte qui est arrivé ici a bénéficié de cet accueil. Adama Barrow, président de la République des Gambie, qui est arrivé à Kinshasa depuis le soir de ce lundi. C'est la première visite pour un chef d'État gambien en République
démocratique du Congo. Il est de blanc vêtu. Il est de confession musulmane. C'est chef d'État né le 16 février 1965 à Mankamang. Il est membre du Parti démocrate unifié. Il est élu président de la République des Gambie le 1er décembre 2016. Sa prise de fonction, Inch'Allah, comme vous l'avez rappelé, prévue pour le 19 janvier 2007, est au départ incertaine à la suite de l'état d'urgence décrété par le président sortant. La prolongation de 3 mois de son mandat par l'Assemblée nationale. On va prêter serment néanmoins les dirigeants de la République à l'ambassade du Gambie dans donc, tandis que les chefs d'État de la présidentielle. Il est donc prévu un entretien en tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Un entretien qui va se dérouler en deux parties. Dans la première partie, les deux chefs d'État seront à côté de leurs ministres respectifs dans un format de 1 plus 3. Nous avons aperçu le ministre des Affaires étrangères congolais, les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Pala Pelea Pala. Il sera en face de son homologue de Gambie qui accompagne son chef de l'État. Et il est prévu également une rencontre avec la presse. C'est la présentation donc de délégation, comme on l'a dit, Christophe Lutundula Pala Pelea Pala. Il y a Didier Makanzu, ministre de l'Intégration nationale, M. Guylaine Nyembo, directeur des cabinets du chef de l'État. Du président de la République, membre de son cabinet, présentement, voilà, selon la pression, c'est le ministre des Affaires étrangères et puis d'autres responsables des hauts rangs. Nous aurons la fiche technique tout à l'heure, peu avant le petit point de presse qui est prévu à l'issue de cette entrevue. Voilà, le président Adama Barrow a succédé à un remplacement justement de Yaya. Les deux chefs d'État, après la présentation de leurs collaborateurs respectifs, vont entrer dans la salle des ambassadeurs. C'est là que va avoir lieu cette entrevue en tête-à-tête dans un format de 1 plus 3. Chacun est accompagné du ministre des Affaires étrangères. On a vu Christophe Lutundula Pana Pena. Que la presse qui s'empresse là-bas devient aussitôt près les images prendre position à l'endroit qui a été aménagé pour un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. De plus d'une heure pour échanger sur la question bilatérale. Certainement, la Gambie peut donc puiser de l'expérience de la République ce qui dit qui vient donc de son homologue sénégalais à la tête de l'Union africaine. Les échanges vont donc avoir lieu entre les ministres
cependant, ici, en République démocratique du Congo, nous avons aperçu le premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Et certainement que de l'autre côté, de la Gambie, il y a plusieurs homologues avec... avec ce petit état de l'Afrique de l'Ouest, une sortie sur la mer, qui est intégralement dans l'égal de la Gambie, sont découpés dans le Sénégal, c'est environ 11 000 km à peu près de la ville Prince Kinshasa, c'est qui vient faire ses premiers déclarations démocratiques du Congo. D'ambassade que c'est l'ambassade du Sénégal qui facilite les échanges dans ce domaine-là et le nôtre aussi, notre ambassadeur au Sénégal joue effectivement ce rôle et l'arrivée du président gambien en RDC va permettre certainement d'avoir des représentations diplomatiques ici en République démocratique du Congo pour la Gambie mais aussi à Banjul pour la République démocratique du Congo. Certainement qu'au cours des échanges, cette question va être abordée et je crois même que la présence des ministres des Affaires étrangères pourrait accélérer cette représentation des missions diplomatiques de la RDC comme de la Gambie. La diplomatie de développement prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, voudrait que la République démocratique du Congo s'ouvre au monde et que la République démocratique du Congo retrouve sa place au centre de l'Afrique. Voilà qui explique un peu cette rencontre au sommet entre le président de la République démocratique du Congo et son homologue de Gambie, pays qui n'ont pas souci de représentation diplomatique. Et pourtant, l'axe Banjul-Kinshasa est très, très fréquenté. On l'a vu hier sur les images qui ont été diffusées ici sur les antennes de la RTC, une forte communauté gambienne de Kinshasa qui était mobilisée à l'aéroport international de Ndjili pour ovationner le président gambien et qu'aujourd'hui ces deux pays qui n'ont pas jusqu'ici des représentations diplomatiques sont dans cette perspective de pouvoir nouer des relations. On se rappellera qu'au cours de l'année dernière, les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Tshilombo, avait effectué une tournée au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est une tournée qu'il avait amenée tout à tour en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau. Il était passé également au niveau du Ghana. Et aujourd'hui, le président de la République montre toute sa capacité de pouvoir fédérer ses homologues autour d'une cause, parce qu'aujourd'hui, par ces temps modernes, il faut avoir cette capacité de pouvoir défendre une cause. On se rappellera, à l'époque, cette tournée a rentré dans le cadre de ses prérogatives en tant que président de l'Union africaine. Il était en train de faire son plaidoyer pour la zone de libre-échange africaine, c'est ce qu'on a appelé les CAF, et c'est là donc c'est qui a expliqué cette tournée. Et chaque fois que le président de la République invite ses homologues à leur tour, par principe de réciprocité, viennent ici. Donc, en ce qui concerne donc la Gambie et la République démocratique du Congo, nous aurons le bonheur de suivre ici en direct, en intégralité, en exclusivité, deux chefs d'État qui vont se présenter devant la presse. Les bénéfices, vous l'avez vu, est déjà planté ici au palais de la nation, siège de la présidence de la République. Et la presse ne manquera pas de poser des questions à chacun de chefs d'État pour qu'il nous explique le sens de cette visite au sommet entre les deux chefs d'État pour des pays qui jusqu'ici n'ont pas de relations diplomatiques, mais les deux chefs d'État. Je rappelle, lorsque la faveur de toutes ces rencontres au niveau de l'Union africaine ou dans d'autres circonstances, ils
ses voix, ils ne manquent pas de changer dans les coulisses. Et aujourd'hui, ils ont choisi de le faire ici à la résidence de la République démocratique du Congo à Kinshasa. La coopération africaine, c'est aussi ceci. C'est Antoine Tshisekedi a remis la République démocratique du Congo sur le chemin de cette diplomatie ouverte au monde. Et voilà que en quelques années, trois pratiquement, la République démocratique du Congo est au centre des grands intérêts. Vous en voulez preuve, ces visites en République démocratique du Congo représentent au plus haut niveau. Les chefs d'État qui arrivent, Recep Tayyip Erdogan était ici il y a peu. Il s'en est suivi cette conférence de la CIRGEL. Le chef de l'État en est devenu le président. Et puis, que le président de la Gambie est à Kinshasa avec lui. Les gens vont porter sur la nécessité de développer ces relations diplomatiques et pourquoi pas des relations économiques poussées. Tout cela doit être analysé. Des échanges doivent avoir lieu au plus haut niveau. Des accords seront certainement signés et les ministres correspondants vont devoir suivre ces accords pour la mise en œuvre du Modiba. Edith Chara, Bingumba Bibale, Bikutani Lelo, Ezali Ngumba Mokonzi Kinshasa, Pe Ngumba Bajul, Wapepa Itokolobete, Ekolo, Congo Démocratique, Ekolo ya Gambie, Sikayoko, Onzela, Mokonzi Bale, Baeba, Zali Okatia Bilo, Ponatina Masolo, Mabondeko, Potala Makambo Mazako, Sale Mokata, la République Démocratique du Congo, Zali Okotel, Sesika, Etope, Epimelo, RDC, Zungyo Kati, Molongo, Benza, Oma. Nicolas Motangi Penza, aussi Matata Mokonzi, il y a Ekolo, il y a Turquie, il y a République démocratique du Congo, tout le monde est quitté à l'Inden, il y a Tissema, il y a Mbalazomi, il y a Didier Manzenga, je suis le directeur de cabinet du chef de l'État, le professeur qui fait le même format également du côté d'Antien, et d'ici une heure, l'objet de leur rencontre. Aujourd'hui, on note que la République démocratique du Congo a retrouvé sa place dans le giron de la nation avec la voix de la RDC. Comment le président Adama Barré va répondre à cette question, mais de part et d'autre, il y a la volonté de voir renforcer les relations bilatérales entre les deux États. De la nation. Go Namuinga Waye, Fumoti, Katia Bilo, RDC, Pia Papaya.
salete mpe mola moza okati ya ekolo mokambi ekolo ya Gambi Adama Baro fifo ya ye pona kokamba uto mobuku te balé zomi sambo ezala kibongo likambote bongo bola pinda yilo ko pona tina okambi ekolo ya Gambi onzela mpifo ya kamata ki mibu mbota matuku mitano na sambo ase kamba ekolo ye na botete ya solo ba tako iso bazai bongo na botete Kambiokolo ya bango. Ekolo Gambi ya mbamima na sano. Mubutu koleka. Mbete tobeka li sano ya ndemwe ya makolo. Oele mbolongo libikita upo na mbamima talibongo kane. Oyo wapipai. Mabele magambi. Makasi maula maka. Izaraka mibale pai na ipai. Kasikata mabele ya repi demokratiki kongo tolongaka ndembo ya makolo. Mbukati ekolo eye. Tosaka molongo moko. Soko na bosa ente na bene. Na biki biike. C'est vrai qu'on a Gabon, on a combattu Gabon, la solo dit ça là, tout ça qu'on a Gabon, Kati, il y a Moméga Nomona. Et c'est qu'on a dit ça là, Biko, le bébé balé, bon de Kobozali, Uto, Mibu, Mike, Penza, Okati, Yamisala, Miandenge, Nandenge, Talakati, Nabatata, Bakozi, Baba, Lesika, Bazali, Nama, Solo, Matali, Bongo, Bobembani, Okati, Biko, le bébé balé, Nkota, il y a Anglais, et Zali, Nkota, Eye, et Bamaka, Okati, Yamabele, Ma, Ekolo, Eye, Yagambi, Lorenge, Bisho, Français, Bango, Kota, Anglais, et Zali, Kuna, Edital. Merci Mathieu Moudibango, c'est certainement vrai, la langue officielle de la Gambie c'est l'anglais, mais vous comprenez qu'avec des frontières découpées entièrement dans le Sénégal qui est un pays francophone avec une superficie d'environ 11 000 km², il est donc important de relever que le français a une influence réelle sur ce pays, Gambie, où les populations sont pratiquement bilingues. On y parle anglais comme langue officielle, mais on y parle aussi le français dû à l'influence du Sénégal. Voilà donc, amis téléspectateurs, en attendant que les chefs de l'État et leurs ministres échangent, nous allons rendre un moment l'antenne pour reprendre tout de suite après la fin de cet échange entre les deux chefs d'État. Et nous aurons le plaisir de vous laisser suivre même le point de presse qui suivra certainement cet échange entre les deux chefs d'État.